Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur TV Plus Madagascar et vous avez raison, car c'est l'heure du journal. Les titres. Levons nos drapeaux par patriotisme et pour témoigner notre gratitude envers nos héros qui ont sacrifié leur vie pour le retour de notre indépendance, a exhorté le président de la République Indra Dwin lors de son allocution en marge du lancement officiel de la célébration du 63e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. La cérémonie s'est déroulée au parvis d'Ananakil, un lieu symbolique où sont nés des mouvements populaires pour la liberté de tout le pays. Reprise effective de la circulation sur la ligne ferroviaire TCE ou Tananarive-Côte-Est sur le tronçon reliant Mouramang à Touamassa depuis le début de ce mois de juin 2023. Une forte affluence de voyageurs a été notée lors du premier départ d'hier à Mouramang. Le numérique est un secteur grand pourvoyeur d'emplois actuels à Madagascar. Cependant, la main-d'œuvre qualifiée manque selon un groupe qui œuvre dans ce secteur d'activité. Cette situation résulte de l'insuffisance de centres de formation qui facilite également l'accès aux offres d'emploi internationales. L'Est du Canada suffoque en raison d'une vague de chaleur extrême, faisant craindre un regain des feux de forêt qui ravagent le pays déjà confronté à une année sans précédent. Notre alliance ce soir concerne le lever du drapeau. Levons nos drapeaux par patriotisme et pour témoigner notre gratitude envers nos héros qui ont sacrifié leur vie pour le retour de notre indépendance, a exhorté le président de la République Indra Dwin lors de son allocution en marge du lancement officiel de la célébration du 63e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. La cérémonie s'est déroulée au parvis d'Ananakil, un lieu symbolique où sont nés des mouvements populaire pour la liberté de tout le pays. Le lever de drapeau pour la fête nationale est un symbole de solidarité et de fierté nationale, a réitéré le chef de l'État tout au long de son discours. Stéphane Adoni nous en rapporte les détails. Une fête nationale sous l'égide de la valeur du drapeau national. C'est en ce sens que le coup d'envoi de la célébration des 63 ans du retour de l'indépendance de Madagascar a été donné ce jour au parvis d'Ananakil. Le choix du lieu n'est pas anodin. En effet, c'est devant la mairie le long de l'avenue de l'indépendance, communément connue sous le nom de place du 13 mai, considérée comme le centre de la capitale de Madagascar, que s'est tenue la cérémonie. La place du 13 mai a été de nombreuses fois le théâtre de manifestations populaires pour la liberté. On se souvient encore du mouvement des étudiants de l'année 1972 qui a causé l'incendie de la mairie de la capitale de cette époque et a vu la dénonciation du néocolonialisme. La construction de la mairie, symbole de la capitale, n'a pas pu être effectuée que près de 30 ans après ces événements grâce au président Indra Dwin. Quelques années plus tard, le président de la République Indra Dwin et son épouse Myalra Dwin se tiennent devant la mairie pour le lancement officiel des célébrations de la fête nationale. C'est ici, sur la place de l'avenue de l'indépendance, que nous en appelons à la solidarité du peuple malgache à travers tout le pays à célébrer la fête nationale, selon ses termes. Il a tenu à rappeler que la célébration du retour de l'indépendance était une occasion pour tout le peuple de commémorer l'histoire du pays et de célébrer sa liberté. Le lever de drapeau est le symbole même du patriotisme, selon le numéro 1 du pays. Le lever de drapeau démontre et renforce la valeur du patriotisme et de la fierté nationale, dit le président de la République. Le drapeau national n'est pas seulement un morceau de tissu, il est d'une valeur inestimable car il symbolise l'identité de Madagascar, continue Indra Dwin.
Le président de la République a ainsi exhorté tout un chacun à lever le drapeau national, que ce soit au niveau des établissements gouvernementaux, notamment les ministres, ou dans les institutions privées comme les établissements scolaires. Les autorités locales, depuis les chefs de Fouctane en passant par les maires, les préfets, les chefs de district, jusqu'aux gouverneurs de région, se sont vus attribuer personnellement par le président de la République la mission de mobiliser et de sensibiliser les citoyens à entreprendre le lever du drapeau national dans tout le pays. Nous allons montrer à nos enfants et aux générations futures la grandeur de notre histoire, de notre patriotisme, de notre amour pour Madagascar, a réitéré le chef de l'État. Le président de la République a insisté sur l'importance du lever du drapeau national, car ce geste est le témoin de notre gratitude et de notre reconnaissance envers tous ceux qui ont lutté et sacrifié leur vie pour le retour de l'indépendance de Madagascar. Question transport. Tananarive, côte est, sur le tronçon reliant Mouramanga à Toamasina depuis le début de ce mois de juin 2023. Une forte affluence de voyageurs a été notée lors du premier départ d'hier à Mouramanga. Une mesure qui contribuera au désenclavement des communes qui bordent la voie ferrée, selon les maires des localités concernées. Au total, le problème d'enclavement des 22 communes desservies sera résolu après la reprise de la ligne ferroviaire TC. Reportage de Mamtine Nanjimblul. Andas Bay est l'une des communes du district de Brickaville dans la partie sud-est de la région d'Alojamangouj à souffrir d'un problème d'accessibilité, surtout pendant la saison des pluies d'après le maire de cette localité. La population doit attendre le passage du train utilisé par la Jirama ou celui des trains de marchandises pour pouvoir voyager ou transporter les récoltes. Autrement, la population doit faire un trajet à pied d'une journée en partance d'Andas Bay pour rejoindre la route nationale numéro 2. La commune rurale d'Andas Bay est pourtant une commune grande productrice de produits agricoles, notamment de gingembre et de bananes. Le transport de ces produits pose donc problème, surtout lors des récoltes. Aussi, la reprise de la circulation sur ce tronçon de la ligne ferroviaire Tananarive-Côte-Est, ou TCE, est d'une solution à l'enclavement de la commune, selon la maire d'Andas Bay. Au total, 22 communes qui souffrent toutes d'un enclavement total seront desservies par la TCE. En effet, plus de 100 000 personnes dépendent entièrement de la voie ferrée pour circuler dans les localités qui bordent la ligne de chemin de fer, faute de route praticable. Avec la reprise de la ligne, tous les problèmes de transport seront résolus dans la mesure où les déplacements de voyageurs et les transports de marchandises seront facilités. De son côté, le ministre des Transports a mentionné l'importance de la reprise du transport ferroviaire sur la ligne TCE. Sur consigne du président de la République, aucune commune ni district ne devrait plus être enclavée, d'où la reprise du transport ferroviaire. Après celle de la TCE, la reprise de la ligne MLA ou Mouramanga-Lac-à-Loutch sera la prochaine étape. Pour rappel, les nouvelles voitures pour voyageurs utilisées ont une capacité de 180 sièges. Le transport de passagers sur la TCE avait toujours été assuré depuis 2021 entre Mouramanga, Andas Bay et Brickaville, mais avait été interrompu à cause des dégâts causés par le passage des derniers cyclones, d'après les explications. Continuons le journal. Le numérique est un secteur grand pourvoyeur d'emplois actuellement à Madagascar. Cependant, la main-d'œuvre qualifiée manque selon un groupe qui œuvre dans ce secteur d'activité. Cette situation résulte de l'insuffisance de centres de formation qui facilitent également l'accès aux offres d'emploi internationales. Pour faciliter l'accès, surtout des jeunes, au travail, un campus accordant des formations gratuites sur le numérique et sur les offres qu'il génère vient d'être présenté à Tananarive. La participation à ces formations ne requiert pas la possession de diplômes spécifiques et elles sont ouvertes à tous les individus de 18 ans et plus. Reportage au micro de Yantar Larsou sur les images de Megaranebzon. Le taux de chômage chez les jeunes reste encore élevé à Madagascar comparé à celui d'autres pays d'Afrique. Ce ne sont pas les offres qui manquent, mais l'obstacle se situe au niveau du choix des jeunes en matière de formation comme de carrière.
En effet, après l'obtention de leur baccalauréat, la plupart des jeunes choisissent des filières présentant peu, voire même pas du tout, de débouchés sur le monde du travail. Or, de nombreuses propositions de postes restent disponibles dans plusieurs domaines d'activité, tels que le numérique, selon un groupe qui travaille pour la promotion de ce secteur d'activité. Mais en dépit de l'abondance des offres, les candidats qualifiés demeurent rarissimes. Nous avons, dans le respect de la DNT de l'action qui est une société à impact, souhaité ouvrir 42 internats. Donc, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez jeune, un peu moins jeune, que vous connaissiez le code, que vous en avez déjà fait ou juste entendu parler, nous les allons mettre à votre disposition, à la disposition de toutes ces populations, donc locales et aussi africaines et nationales. Pour pouvoir former un nombre plus important de jeunes au travail du numérique, mais également pour diminuer le taux de chômage dans le pays, Madagascar est le deuxième pays africain à rejoindre le plus grand réseau d'écoles d'informatique au monde. Un réseau qui dispense des formations gratuites, innovantes et ouvertes à tous, sans condition de diplôme et sans limite d'âge à partir de 18 ans. Et c'est maintenant l'heure des actualités internationales. En Amérique du Nord, à l'est du Canada, c'est la suffocation en raison d'une vague de chaleur extrême, faisant craindre un regain des feux de forêt qui ravagent le pays, déjà confronté à une année sans précédent. Les détails sur France 24. C'est le plus grand feu jamais enregistré dans la province de la Nouvelle-Écosse. Sous cet épais nuage de fumée, Barrington, à l'est du Canada, suffoque. D'importants feux de forêt se propagent dans cette région qui a demandé l'aide de l'armée et des États-Unis. Selon les autorités, les feux seraient d'origine humaine et se répandent rapidement à cause de la sécheresse et du vent. Jeudi soir, plus de 200 maisons avaient déjà été détruites, 20 000 personnes évacuées et des dizaines de milliers d'hectares brûlés. Le gouvernement se dit très inquiet. C'est une période stressante. Cela prend un temps considérable. Nous contenons cet incendie avec nos partenaires. Chaque jour qui passe sans pluie, chaque jour où la température monte et chaque jour où les vents sont importants permet aux incendies de se propager davantage. À l'opposé, à l'ouest du pays, les mêmes scènes se répètent. Hélicoptères et pompiers se relaient pour lutter contre les flammes sous un ciel de feu. Dans la province de l'Alberta, qui a déclaré l'état d'urgence, les incendies ravagent la forêt depuis plus d'un mois. Il y a actuellement 61 incendies de forêt dans la zone de protection forestière de l'Alberta, dont 15 sont hors de contrôle. Jusqu'à présent, cette année, nous avons répondu à 555 incendies de forêt, brûlant plus d'un million d'hectares. Le Canada subit les effets du changement climatique avec des incendies plus fréquents et plus extrêmes. Au total, plus de 200 feux sont actifs actuellement dans le pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.